Hello guys, ça fait ton forme. Je tiens envie de montrer comment capable activer étoile sur page Facebook, activer information fiscale sur page Facebook correctement, sur qualifier pour les correctement. Pour faire ça, l'arrivé sur Facebook là, puis on va cliquer là sur ça, sur profil moyen. Là, on clique là et puis on clique côté qui dit, on voit le outil. Clique là. Et puis l'homme là, on a cliqué côté qui dit règlement. Et puis l'homme cliqué là, et demain même, il y a une déjà, ça c'est déjà non rempli. Ok? On a dit URL for étoile Facebook. Expire. On a cliqué là. Cliqué là. L'homme là, on a mis nom, signature, on a mis à Guinée-Sansou, pays Cotoria. Même pas mieux guetta ou guetta ou monter et bien faire suivant. L'homme arrivé là, il m'a dit pays côté mia, on met des pays côté mia là. Là, il m'a dit que si c'est un plaisir qui catégorie et pas Facebook, on met des particuliers. Ou bien, on peut mettre entreprise avant de demander. Après ça, on va faire suivant. Là, on va mettre pour un nom, sous un deuxième nom, on va mettre nom, on va mettre toute information personnelle ou là, correctement, email ou téléphone ou adresse la caille ou quelconque. Ok? Là, on va mettre numéro identification, numéro de NIF, on va mettre là. Ok? Mettre numéro de NIF pas là, moi-même. Ok? Et déjà en bas ça, vous avez dit numéro inspiration, tellement obligatoire, quand vous avez comme ça, après vous cliquez là, après vous faites suivante. Ok, l'arrivée là, la boîte d'options, la boîte d'options pour remplir information par goût là. Vous souhaitez remplir information date ou vous ne pas remplir information par goût. La boîte information, la boîte d'options là, vous ne pouvez remplir information bancaire. L'autre là pour remplir PayPal. Si vous n'avez pas d'informations, vous pouvez remplir sur PayPal, vous pouvez connecter PayPal avec. Moi-même, je suis dans une banque qui est dans une nade déjà sur une déjà, je peux tout connecter là. Je vais cliquer là, je vais faire cookie. Après ça, je vais faire associer le mode de paiement. Ok, l'arrivée là, on a fini de rappeler information banque, on a fini de rappeler données mieux, on a arrivé là, il dit ajouter vos informations fiscales. On a c'est là, voilà, on a cliqué là pour dire ajouter l'information fiscale en bas. Cliquez là. Et puis l'on clique là, il dit continuer. On continue là. Et puis l'on arrive là, on est là, le côté qui dit. Individuel, les tout connecté en bas de business, les tout connecté pour là. Ok, dans la deuxième option en bas là, on va cliquer là, on va dire no. Et en anglais, on va le même, on comprend. Il dit yes, no, on va prendre no. Dans la deuxième en bas là, toujours, on va tourner prend no encore. Après, on va faire next. En anglais, on va le en l'air là, on va cliquer là, on va mettre non. On va mettre non. Mais faut qu'on mette. Faut que vous mettez signature en avant. Ok? Mettez signature en avant. Mettez signature en avant. Après ça, mettez nom derrière. Ok? Mettez comme ça. Ok. Après ça, vous cliquez là. Vous cliquez sélectionner. Vous cliquez là. On va changer pays côté. On va changer côté pays côté. Puis on va prendre pile là. On va cliquer sur lui. Après ça, ça, tout ok. Et vous après, vous venez, vous allez faire next encore. Ok, ça c'est toute information. Là, il doit modifier, il doit vérifier. Est-ce que tout, il doit regarder encore. Vous dites oui, il est bon. Et pour faire next encore. L'arrivée là, il doit toute information, ça presque fini. Normal, bah, tout complet. Il dit est-ce que tout ok. Et pour faire next encore. Ok, l'option ça là, l'arrivée là, il y a une qui 0%, il y a une qui 100%, il y a une qui dit recevoir. Cliquez sur première qui dit 0%. Sur un des pays. Sur un des pays. Sur un pays, États-Unis, on va cliquer ou pas pour une ensemble. Mais
on a dit au pays, on va prendre 0%. Et on va faire next encore. Ok, là, il y a là, information sur descend là, on clique là, côté qui dit Celtine, on clique là. Celtine, et puis là, on met les deux signatures comme non, on va mettre non encore. On va mettre non complet là, non complet, on va mettre signature devant toujours. Ok. Mais j'en ai écrit l'imprimé, ça me dit tout devant, c'est comme ça pour écrire là encore. Ok, si vous avez écrit la grande lettre, mettez la grande lettre. Après ça, on va venir là, on va venir en bas, on va faire next. Lettre. Tout le monde est en haut là, ou elle est en haut là, ou elle est en bas, formulaire, comment lire correctement. Il y a elle, bon, tout formulaire là, tout le monde est ok, et bon, tout formulaire là correctement. Et bon, on va venir en bas, on va faire sous 1000 formes. On clique là. On va obtenir là, on va démarrer là, correctement. Tant qu'il faut une patience. Ok, on a le tourné bord, toute information là, correctement, les deux, tout complet. On a un bal à l'ido, donné, si en anglais lié, si en espagnol l'abdolisto, si en français l'abdou, ok, en bal à la dernière minute, en bal à l'ido, en PDF, le baoul, et bon, il fait, donc, cliquez en bas, il dit, donné. Ok, nous allons donner sur dernier première formation toujours on a démarré là le bas bord tout bas ok là correctement et puis on a appliqué sous étoile en l'air première option là ok après tout bas est ok là on a tout bas est activé là correctement on a là le cabo et cop pour cabo étoile là tout bas sous contrôle là tout bas est ok là correctement et bien tout ça on dit côté pour une vidéo à suivre dans cette formation.